L'idée de fuir mes parents et mon pays m'a toujours obsédé. Avec l'illusion d'une vie meilleure, j'ai décidé de partir. J'ai préparé ce voyage 2 ans durant, dans des mines. En grand garçon, je me suis lancé sur des pistes nouvelles. Mais ce que j'ai vu, subi et vécu au cours de la traversée me marque à jamais. J'ai mangé dans des poubelles. J'ai dormi sous des sols glacés. J'ai été vendu comme esclave 3 fois. Mon salut vient de mon rapatriement négocié par mes parents. Mieux que quiconque, je peux dire qu'on est bien que chez soi. La Guinée est mon paradis.